Good morgen, allez, dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi Shmuel, Ben Shmuel Mazalman, Shlomo Binyamin Ben Mazal, Amram Yonah Ben Chana, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Beti Rivka, Rafael Zvulun Ben Chayamalia, Myriam Bat Hasida, Edov Ben Yudit, Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles, nous étudions le Sefer Trolin Perek Vav Mishnah Dalet, Mishnah Hei. Dam Shinit Arav Bamaim, Im Yesh Bomar It Dam, Chayav Lechasot. נתערב ביין, רואין אותו כאילו מים. נתערב בדם, בדם הבהמה או בדם החיה, רואין אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. משנה כי רוסם בוקו, אין משנה לזבחים, כאן נביא את שודיה. פרנון, נוס קונסנטריסי, פי אפרן נו דירה אמתימו על הקומפריזון. תודבור, דם שנתערב, כאן נתערב, דפלא, דמיזה דקיסוי, הדם. רוקוריר לסן דה... volailles et des animaux sauvages et pas des béhémotes qui sont pas des béhémotes apprivoisés, c'est-à-dire précisément qui sont les trois sortes, les chor, kesev, oez, les vaches, les taureaux, kesev, keves, c'est les moutons, béliers, brebis, et ez, c'est les chèvres, d'accord. Donc pour les trois, on n'a pas la misère de faire kisui adam, on a la misère de kisui adam qu'avec les volailles et avec les animaux sauvages. Et on va parler dans notre Mishnah de mélange. Le sang que l'on devait en théorie recouvrir, au lieu qu'il tombe par terre, il est tombé dans de l'eau, il est tombé dans du vin, il est tombé dans un autre sang. D'accord ? Ça va être les trois cas de figure qu'on va évoquer dans la Mishnah. Donc, Dam Shinit Arev, on commence avec le simple. Dam Shinit Arev Bamaim, si le sang est tombé dans de l'eau. Par exemple, j'étais en train de faire la shrita de mon animal. Je m'apprêtais à soit réceptionner le sang pour aller le verser quelque part, ou soit tout simplement à ce qu'il se renverse par terre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le sang, il a giclé, il est tombé dans un ustensile où il y avait là-bas de l'eau. D'accord ? Dans un verre d'eau. Donc maintenant, on va savoir, est-ce que j'ai une mitzvah de verser cette eau mélangée au sang par terre pour recouvrir, ou bien non, j'ai raté ma mitzvah parce que le sang s'est mélangé. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, « Emi yesh bo mar'it dam » si il y a une apparence de sang, c'est-à-dire quand tu vois le verre, tu vois qu'il y a du sang, c'est rouge, d'accord ? C'est un rouge bien distingué, c'est pas une petite rougeâtre, c'est pas une petite couleur rougeâtre, mais c'est franchement, tu vois qu'il y a du sang, il y a une quantité, c'est-à-dire en fait il n'y avait pas assez d'eau par rapport au sang qu'il y avait initial, par rapport au sang. Eh bien, chayav lechasot, tu auras l'obligation de faire la mitzvah de kisui adam, de recouvrir ce sang qui est là. Tu prends ce verre, tu le renverses par terre, et tu mets ta terre dessus, d'accord ? Ça, c'est si c'est tombé dans de l'eau. Maintenant, nit arav bayayin, c'est tombé dans du vin. D'accord ? Il avait son verre de vin, il voulait boire les chayim après, il attendait d'avoir son steak pour boire son vin en même temps, et puis le pauvre, ça a giclé dans le verre de vin. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, même principe, ro'in oto keilu humayim. Eh bien, on va voir comme si qu'il était de l'eau. C'est-à-dire, le vin, il est rouge. Donc, rouge sur rouge, tu vas pas voir, est-ce que c'est une couleur de sang, bien évidemment, parce que ce sera rouge de toute façon. Eh bien, on a une autre solution. Considère les quantités en supposant qu'à la place du vin, il y avait de l'eau. Est-ce qu'il y aurait eu une quantité suffisante pour pouvoir voir le sang ou non ? Si oui, alors tu recouvres le sang. Sinon, ça y est, le sang, il a été perdu dans la masse. D'accord ? Il s'est annulé. Troisième cas de figure à présent. Nit arav bedam abehema ou bedam achaya. Si toutefois le sang que tu as réceptionné de la chaya ou du poulet, il s'est mélangé où ? Il s'est mélangé dans une dame behema, dans du sang d'une vache, donc que tu n'es pas imposé de faire le kisui adam, ou encore au bedam achaya, alors là on a un problème, je vous réponds tout de suite, mais que la Mishnah enseigne, ou encore ce qui s'est mélangé dans du sang d'une chaya, d'un animal sauvage. Or vous allez me dire, mais quel est le problème ? Animal sauvage, tu dois faire la misette qui se fait. C'est vrai, mais là, on parle que c'est pas un sang d'animal sauvage à qui j'ai fait la shrita, mais plutôt d'un sang d'un animal sauvage à qui j'ai fait une prise de sang, tout simplement. Regardez, Rashi, il va vous dire, « Obedam achaya, bedam hekez shel chaya. » On était mekiz, on a fait une prise de sang, on a fait une saignée. D'accord ? On a fait une saignée, c'était fréquent, je crois, de faire des saignées même aux animaux. On a fait une saignée à l'animal, et puis là-bas, il y avait du sang, et ton sang... Deux ans de la. Quand ensuite tu as voulu gorger ton cerf, il s'est mélangé dans le sang. Donc maintenant on a un problème technique. C'est que le sang s'est mélangé. Dans du sang.
Vous allez me dire quel est le problème, même principe. Eh bien, vous avez vu juste, c'est ce que la Mishnah enseigne. Ruin auto kilomaim, même principe. Considère qu'à la place que ton sang était tombé dans un verre d'eau, est-ce que tu aurais vu qu'il y avait une belle couleur rouge encore au mélange? Si oui, donc ton sang ne s'est pas encore perdu dans la masse, tu prends le tout, tu le verses par terre, tu recouvres de sang, de terre. Et sinon, donc s'il y avait de l'eau à la place, tu n'aurais pas vu, tu ne t'aurais pas bien distingué le sang, donc ça y est, ton sang il s'est perdu dans la masse, tu n'as plus de mitzvah de kisuyada. Ça c'est pour le premier avis de la Mishnah. Tandis que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, En dam mevatel dam. Le sang n'annule pas le sang. C'est un avis général qu'on retrouve dans Rabbi Yehuda de partout, qu'on retrouvera même, je crois, plus tard dans Khoulin, quand on va parler du Bassar Bechalav et tout ça. Je crois que ça va être mes forges dans le Mishnah, je sais qu'on en parle dans la Gemara, mais je me souviens plus que c'est dans le Mishnah lui-même. Selon Rabbi Yehuda, il y a le principe de min bemino lo batil. Une espèce dans cette même espèce ne s'annule pas. Très succinctement, je le fais très rapidement. Vous savez bien que lorsqu'on a un interdit qui se mélange dans du permis, du lait même qui va tomber dans une casserole de viande, s'il y a 60 fois la quantité de lait, eh bien ça va s'annuler. D'accord ? Donc le lait ne va plus donner de goût. Il en va de même pour toutes sortes d'interdits. Si vous avez une graisse interdite qui va tomber dans de la viande et qui avait 60 fois son volume, donc dans la casserole, ça va devenir permis. Lorsqu'on a une chose qui tombe dans cette même espèce-là, une espèce dans une espèce, une permise, une interdite. Par exemple, du lait dans du lait de tréfa, d'une vache qui était tréfa, qui n'était plus permise à la consommation. On savait qu'elle était tréfa, elle s'est fait perforer le... Peu importe, elle est mourante, mais on a vite tiré du lait avant qu'elle meure. Eh bien, il faut savoir que ce lait, il est tarif. Et là, on n'a pas le droit de le boire. On a le droit de boire du lait que abamina taor taor, ce qui vient de quelque chose qu'on a le droit de manger, on a le droit de le boire. Ou encore même du lait de ce que vous voulez, de chienne, qui s'est mélangé avec du lait de vache. Min bemino. Une espèce dans une autre espèce. Alors là, il y a des règles un petit peu différentes, parce que de toute façon, concrètement, il va falloir qu'il y ait 60 fois le volume du lait, parce que c'est que midera banane. Midoraita, dès qu'il y a un contre deux, ça s'annule. Dans la même, une espèce dans une même espèce. Ça, c'est pour la halakha, pour Tanakama, pour Chachamim en général. Rabbi Yehuda, lui, pense que min bemino a fait l'obélef l'obatil. Une espèce dans une même espèce, même dans 1000 contre 7, contre lui, ça ne s'annule jamais. D'accord ? Ça, c'est de manière générale pour les lois des interdits. Là, cette fois-ci, Rabbi Yehuda, il va nous dire, ben, c'est le même principe aussi. Tu as une méthode de faire le kisou yadam sur le poulet, il y a les premières gouttes qui vont sortir, tu dois les récupérer pour les refaire le kisou yadam. Si ce sang se mélange dans du sang de vache, même dans un litre de sang de vache, eh bien, en dam et vatel dam. Le sang ne s'annule pas dans du sang. Une espèce ne s'annule pas dans cette même espèce. Donc, tu vas prendre le tout, on va considérer qu'il y a encore ton sang qui est encore, même si c'est mélangé, il n'est pas mélangé, il est encore là dans toute son ampleur, tu renverses le tout et tu fais la mitzvah de kisui yadam selon Rabbi Yehuda. D'accord ? C'est le principe d'après Rabbi Yehuda. Et maintenant, j'avais dit au début du cours, j'allais vous apporter une précision importante. On a quasiment la même Mishnah qui se retrouve dans Zavachim, avec là-bas, on parle de, j'ai fait la shrita d'un korban, d'un sacrifice. Et en sait dans le sang, j'ai pas vu qu'il y avait dedans un autre sang qui était déjà dans ce corban. Est-ce que je pourrais le jeter ou non? Et on avait le même principe, s'il y avait de l'eau, s'il y avait du vin, s'il y avait un autre sang. Exactement le même principe. Là-bas, il y avait une précision originale de Rashi, fondée sur l'Agma, bien sûr, qui me disait qu'on parle que du cas où, en fait, non, on parle pas que j'ai le sang qui a été réceptionné sur de l'eau. Parce que si le sang il tombe dans de l'eau, ça s'annule, et après, ça renaît plus, c'est grillé. Si le sang il tombe dans l'eau, la première goutte qui tombe, elle s'annule. Deuxième goutte qui tombe, elle s'annule. Troisième goutte qui tombe, ça s'annule. Et même si après ça va prendre une couleur de rouge, c'est trop tard, ça t'est raté. D'accord ? On parle en fait dans la Mishnah là-bas, on parle que j'avais réceptionné le sang dans un verre, dans un ustensile, qui avait que le sang. Et après, il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Et alors là, la Mishnah nous disait que selon le cas, si ça a une allure de sang ou pas, si c'est une couleur de sang, que dans le cas de figure, donc où il y a d'abord le sang qui tombe, et après l'eau qui se rajoute, ou le vin qui se rajoute, ou le sang d'une autre espèce qui se rajoute. Dans notre Mishnah, alors, la Gemara précise qu'on parle dans tous les cas de figure, qu'il y avait de l'eau avant ou qu'il y avait de l'eau après. Même si l'eau, elle est venue, elle était là auparavant, malgré tout, le sang, il va tomber au goutte à goutte. Pour le moment, il tombe, il n'est pas assez rouge, tu es dispensé, ça continue à tomber, ça continue à tomber, ça continue à tomber, jusqu'à la fin, ça va devenir réellement bien rouge fort. Tu auras la mitzvah de commencer à aller maintenant faire la mitzvah de Kisui Yadam, pour la simple et bonne raison que...
mitzvot lo betelot. Ça veut dire en dichui ba mitzvot. Succinctement, une mitzvah que pour le moment elle a été repoussée, que je ne peux pas l'accomplir, dès que je vais redevenir imposé, eh bien je serai imposé de le faire. C'est un principe en fait qui a été évoqué déjà dans la mishnah précédente, on l'a pas exprimé de la sorte, mais c'est la même idée. C'est que si tu as une mitzvah que pour une quelconque raison elle est plus réalisable, dès qu'ensuite elle va se représenter à toi, tu pourras ensuite la réaliser. À la différence des coachings, vous ne devez pas tellement comprendre ce que je veux dire, mais quand on va parler des coachings, vous allez comprendre l'idée. Les coachings, j'ai une mitzvah d'asperger le sang sur le misbéach. Lorsque le sang il tombe dans l'ustensile où il y avait déjà de l'eau, pendant quelques instants, ce sang il a disparu de la civilisation, il n'est plus là, quoi. Il a disparu. Après, lorsqu'il va y avoir encore du sang qui va tomber, d'un coup, tout va renaître. Tout va se reserveneo, ce qu'on appelle. Il va se raviver et donc il va renaître quelque part. Eh bien, là, il y a ce qu'on appelle Yeshdichui be Korbanot, be Kochim. Il y avait une mitzvah à accomplir qui a été repoussée. Si ça a été repoussé, c'est fini. Même si après ça revient, eh bien, je ne suis plus imposé de faire la mitzvah dans les Kochim. Mais dans les autres mitzvot, oui, j'ai encore la mitzvah de le faire. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sahara Kostou.